Et donc, yo tout le monde, c'est Skies. On se retrouve sur World of Tank pour deux petites parties tranquilles, rapido, vite fait. Ou peut-être juste. Non, non, juste une avec ce BT2. Donc, on va la faire. Donc, je l'ai quasiment amélioré au maximum. J'ai la tourelle BT5 et le 45mm en canon. J'ai pas amélioré tout ça, j'ai passé directement au BT7. Donc, on va aller faire la petite bataille comme il y a le triple XP, etc. Je vais reprendre les parties de World of Tanks. J'espère que ça plaît. Moi, c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. C'est un jeu gratuit. C'est, on va dire, une sorte de MMORPG. On considère ça dans la catégorie des MMORPG. Donc, voilà où. Donc, mon World of Tanks a été modé, comme vous pouvez le voir. Donc, exemple, voilà, là on a les points de vie, les pourcents. Là vous voyez une tête au-dessus, c'est normal. Comment dire. Là, exemple, vous voyez M2 Light, etc. Ok, tiens. Donc j'ai pris ce BT2 pour pouvoir faire la lignée des chars légers russes. Que j'aime bien. J'étais parti avec un tier 4. J'avais déjà un tier 4 dans les légers russes, mais un tier 4 qui ne me plaît pas du tout. Donc j'ai complètement changé. J'ai pris celui-là pour monter. J'ai pris celui-là pour refaire mon tier 4. Parce que l'autre était impossible à jouer en tier 4. En fait, il était trop petit, il faisait pas assez de dégâts, il était pas assez puissant, etc. Il était pas assez blindé, avait pas assez de vie. En fait, je vous explique, c'est un tier 4, mais il avait les caractéristiques d'un tier 3. Exemple, avec ce tier 2, je me débrouille beaucoup mieux qu'avec l'autre tier 4. Holy. Là ça va être difficile les gens, va falloir faire du bon jeu. Ah ben GG. Il va falloir rester tactique parce qu'on a plus de vie. Oh le bâtard, il va me le voler. Allez hop. Là on est en mode rapidité. Vous pensez que je peux le one shot celui-là? Merde, il me l'a volé cet enfant. Vous entendez sans doute les minions aussi en fond. C'est normal, ça fait partie du mode. Et voilà, il restait un tank. Et du coup le tien qui est passé comme un taré, je l'ai buté. Je suis désolé. J'ai perdu Mox. Cette partie n'aura pas duré longtemps. Ouais, je pense qu'on va en refaire une, mais cette fois... on va prendre le BT7. Voilà, le BT7. Donc c'est le même un peu plus long. Clairement, c'est ça. Celle-là, on va l'acheter.
je peux pas encore la prendre. Ok. XP libre. Hop, canon. Voilà, pour l'instant on a déjà un canon à bariller qui ressemble à rien. Excusez-moi. Allez, let's go en bataille. On va la faire vite fait aussi celle-là. J'espère qu'elle va se passer aussi vite. C'est typiquement le type de bataille que j'adore. Ça le fait pas le mot typiquement deux fois dans la même phrase. Bah je pense qu'elle va être rapide. Tier 3 et tier 2, ça va être rapide. Ça aurait été tier 3, 4, 5, on aurait perdu. Ça aurait été de la merde, mais non là, c'est tier 3 et tier 2, donc ça va se passer plutôt vite. Enfin je l'espère. Lui, c'est un tank ultra cheaté. Il est là-bas. C'est lui là. En fait, c'est un tank léger avec un canon d'artillerie. Qui one shot quasiment tout. Moi, j'ai 12 dégâts et 32 perforations. Et ça on tire 3 par 3. Et ça recharge en 5 secondes. Donc ça va. Il a l'air plutôt efficace comme tank. En plus il est rapide. Il est pas moche comme tank non plus, ça va. Moi si je veux tirer, il faut vraiment que je me stoppe ou que je sois prêt en fait. Je sais pas, mais je trouve ça trop bien quand c'est un petit tank qui va assez vite. On dirait presque une voiture avec une tourelle en fait dessus. C'est plus jouissif que de conduire un gros tank où tu te déplaces. Tu fais 2 km en 5 heures. C'est lequel qui m'avait tiré dessus? Il y a que lui. Non, voilà, le Medium 2, ça. Lui, c'est un gros fils de pute, là-bas, il campe. Il laisse son pote rush. Bon, bah on va s'arrêter là pour ces deux petites parties, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous aimez ce jeu ou pas. Et puis, bah, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez. Ciao, les gars.